Oh non. Bon, mais il faut bien faire quelque chose dans la vie. Bon, moi, je fais de la peinture. Hein. Ça, je sens que je ne vais pas rentrer les jambes. Hein. Bon, alors ça va être le corps. Voilà. Alors là, voilà, comme ça. Je ne sais pas ce que je fais, mais enfin bon. Ça, c'est sûr que je fais un personnage, mais le reste, on verra plus tard. Et là, ouais. Voilà, comme ça. Voilà. Ça, c'est la connerie de ne pas avoir fait un dessin avant, parce que après je me gourre et j'arrive pas à rentrer les jambes, hein, évidemment, parce que c'est bien beau d'improviser comme ça. Mais alors, je vais lui mettre la jambe là, hop, et là, parce que le problème, hein, ou alors je lui mets la tête là. Bon, allez, on y va. Voilà, et comme ça, complet. Hein. Alors là, comme ça, là je fais les épaules là. Là je fais les épaules là. Et comme ça, ben, je lui laisse une autre tête là. Comme ça, on voit, il en aura deux. Et d'ailleurs, comme ça, ça fait que le corps, il va être là. Mais ça revient au même. Hein. Putain. Bon, alors je lui fais le corps là. Et comme ça, je peux peut-être arriver à lui. Ah oui, s'il écarte les jambes. Voilà. Et je vais lui rentrer les jambes. Hop. Parce qu'il est sur une chaise, le type, là. Enfin, il est censé être sur une chaise. J'en avais déjà fait un comme ça, donc il faut bien que... Comme j'ai pas d'idée là, exacte là-dessus. Alors là, il est comme ça. Bon, mais je ferai les mains après, parce que autrement... Après, ce que je vais faire, c'est que... Je vais me chercher un peu de... Un peu de jaune, si j'en trouve. Là, j'ai mis du vert là-dedans. Mais le jaune, il faut que je retrouve mon jaune. Hein? Voilà, j'ai un manque d'orange et de jaune, évident. Oui. Hop. Aïe. Là. Alors lui, donc lui, il va falloir que je... Je sais pas comment je vais m'en tirer, là. Alors lui, je vais y faire quand même
Non, ça, je vais le garder. Ce qu'il me faut, c'est d'autres couleurs, c'est sûr. Il va falloir mon petit violet des... Le violet que j'utilise toujours. Je ne sais plus où je l'ai mis. Ça, c'est vrai que ça serait bien si j'avais mon violet. Je ne sais pas où il est passé. Bon, en tout cas, allez, on va y faire mieux. Quand on fait des toiles en public ou devant des caméras, c'est différent pour moi que... Ou alors il faudrait que je fasse un autre... Que faire une toile tout seul. Parce que c'est un peu différent. Disons que j'emploie les... Il y a un temps qui est quand même défini. Donc il faut quand même faire quelque chose de gestuel et tout ça, de... Disons qu'il y a moins de réflexion, alors donc il faut quand même arriver à penser, mais il y a quand même moins de réflexion et tout ça, bien que j'en ai jamais eu beaucoup. Je prends celui-là. Mais l'urgence, c'est vachement bien pour la couleur, parce que autant... Mais même des fois, le noir, je pense que je vais jouer sur... suivant la technique de base de ma peinture initiale, qui est loin d'être la seule, mais enfin, il y a des gens qui croient ça parce qu'ils regardent que les images dans les magazines, alors qu'en vérité, les images des magazines, c'est justement un problème de la reproduction, c'est que la peinture se voit en vrai et se voit pas dans un magazine. Alors c'est un gros problème parce que les gens ils se font des idées, puis quand ils voient les choses en vrai, évidemment, quand ils les voient, parce que trois quarts du temps maintenant, il y en a beaucoup de gens qui ne veulent pas sortir et tout ça, donc ils voient des choses différentes de la réalité de l'œuvre elle-même. D'ailleurs, en ce moment, il y a beaucoup d'artistes qui font que de la peinture pour que les gens les voient dans les magazines, quoi. Mais il y a des gens qui croient que je fais la même chose, mais je ne fais pas de vrais aplats, moi. Le problème, c'est que quand la reproduction est faite, évidemment, elle est petite, puisque je fais des toiles assez grandes, et donc la reproduction, on voit des aplats. Donc, à des moments, des fois, c'est très propre, ça paraît coloré, propre, totalement optimiste, à la limite, presque... Donc il y a beaucoup de gens qui voient pas la vérité de la peinture. Et malheureusement, c'est que beaucoup de critiques se laissent avoir eux-mêmes par ça. Et c'est quand même assez scandaleux parce que évidemment plus personne, il y a beaucoup de gens ne vont plus dans les ateliers ou presque pas. Ou alors quand ils y vont, de toute façon il y a beaucoup de et donc ils croient que la peinture est carrément ringarde à 99%. Et ils voient quoi, trois images dans un magazine et ils se disent « Ah, ben c'est ça !» Alors, tac, 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 tac. Puis, qu'est-ce que je pourrais faire? Aïe! Je vais prendre du marron. Aïe. Ah merde, il est ouvert là.
pourquoi pas. Changement de programme. Hop, je prends du gris. On va y faire des mocassins. Parce que l'important pour moi, c'est l'envie de travailler, d'avoir des idées et de faire du nouveau. D'avoir un travail d'assise, comme ça, un travail qui paraît être toujours pareil, en gros, avec une technique particulière au départ. Pas du coloriage, pas du noir, et après de la couleur en remplissage. 99% c'est des taches de couleur, plus ou moins évidemment arrangées. C'est comme des signes, parce que finalement c'est pas réaliste au départ. J'ai fait quand même des tableaux plutôt réalistes, mais c'était pour me prouver que je savais le faire. Parce que les gens, après, ils te disent... parce que moi, j'ai toujours sensible quand même aux gens qui ne connaissent pas la peinture et qui, évidemment, qui sont toujours rattachés aux bienfaits, aux machins et tout ça. Donc, je voulais quand même me prouver pour pouvoir me défendre sincèrement que je pouvais le faire. Mais bon, c'est pas... Moi, l'intérêt, maintenant, avec la photo, l'intérêt de faire du réalisme toute la journée, c'est pas très important parce qu'il y a la photo. Donc la photo a remplacé, dans l'aspect social des choses, a remplacé évidemment en grande partie le réalisme qui était pratiquement obligé, puisqu'on faisait par exemple un portrait d'une demoiselle pour la montrer à son fiancé quand on avait les moyens. Donc on n'avait pas de photo, donc on faisait un portrait. Et donc le mec, il arrivait, il faisait 500 km, et puis hop, il montrait le portrait. Le mec, il disait « Ah bon, voilà, elle ressemble à ça. » Bon, enfin... Si le mec, il savait bien peindre, il ressemblait à ça, s'il ne savait pas. C'est suivant la qualité de peinture. Mais en gros, il n'y avait pas la photo, donc il fallait bien faire ça d'une autre manière. Parce que, comme je le disais à quelqu'un, il n'y a que les peintres du dimanche, mais je n'ai rien contre les peintres du dimanche, hein, tant qu'ils n'exposent pas ou qu'ils ne délirent pas. Il n'y a que les peintres du dimanche qui peignent pour le plaisir. Parce que moi, je vais peindre pour le plaisir, par plaisir, mais demain, pas tout le temps. Donc, donc le mec qui va peindre le dimanche pour son seul plaisir, je vais faire un paysage, ah, je vais me régaler... Ce qui est très rare, d'ailleurs, parce qu'il s'emmerde avec la technique ou des trucs comme ça, sauf certains, et parce que j'ai rien contre la technique, mais il faut qu'elle soit... C'est tout le contraire dans la culture. Normalement, la technique devrait être... Tu vois, quand tu es en demande, tu as envie de faire, par exemple, un rond, et bien la technique te sert à faire ce rond comme tu le veux. Et alors que les gens, dans la culture, dans les écoles, ils veulent nous apprendre la technique avant. Alors que ça serait... Normalement, ça devrait être par la création... Parce que tu as envie, par exemple, tu as vraiment envie de faire un arbre, eh bien, si tu as vraiment envie de peindre un arbre, eh bien, tu vas prendre certaines techniques à prendre pour pouvoir le faire, cet arbre, en peinture. Si tu veux faire un arbre d'une certaine manière. Et donc, il te faut quand même certaines techniques, que ce soit un arbre naïf, ou que ce soit un arbre figuratif, hyperréaliste, ou je ne sais pas quoi. Les gens, eux, ils voudraient t'apprendre d'abord la technique, et après que tu deviennes sensible. Alors que c'est tout le contraire, quoi. Bon, en fait, je vais pas faire de la théorie, mais enfin, voilà. Alors, des fois, on s'emmerde un peu dans le pays. Parce que, bon, quand tu sais ce que tu fais à peu près ou même pas, à des moments, carrément, tu t'emmerdes. Parce que, pour des raisons qui sont X, quoi, parce que tu penses à des choses, parce que tu es mal, tu es bien, tu transpires, tu fais ci, tu fais mi. Et donc, tout ça, ça suivant l'art que tu fais, ça rentre en ligne de compte. Évidemment, il y a des mecs que ça ne rentre pas du tout en ligne de compte. Comme Buren, par exemple, ça ne rentre pas en ligne de compte. Joseph Albert, ça ne rentre pas en ligne de compte. Alors, c'est tous les artistes peintres dans le style corpé, des grands champs, Di Rosa, pour mettre des différences... je sais pas moi, Dufour, Garouste, Viala, enfin plein quoi. Et ça rentre en ligne de compte le fait que
leur caractère, leur joue, la façon de penser du jour joue sur, évidemment, c'est de l'expressionnisme un peu, mais ça rentre en ligne de compte dans leur travail, quoi. La méthode, c'est que je voulais faire que 2 mètres sur 2, mais évidemment, comme je fais à chaque coup, je me laisse prendre par la dimension et à peindre tout et au remplissage. Et voilà, j'ai dépassé les dimensions que j'avais prévues. J'espère que j'aurai assez de temps pour la finir. C'est un peu comme une écriture automatique finalement, mais et en même temps, c'est pour ça que j'ai besoin de faire des choses plus pensées que simplement des tableaux comme ça. Évidemment, il y a des jours, je me dis, ah bien, si je faisais que des tableaux comme ça, disons, je pourrais faire un tableau par jour. Mais en vérité, c'est pas comme ça que ça marche. Là, on dirait que je peins. Mais c'est l'embêtant, c'est qu'après, les gens croient. On a tendance à croire que je peux travailler à une certaine vitesse, alors qu'en vérité, c'est quelque part, c'est faux, quoi. Parce que c'est pas parce que je fais aujourd'hui un tableau que je vais avoir l'énergie pour en faire 50 comme ça. Hein. C'est quand même assez compliqué, quand même, de... C'est le truc, c'est l'art d'accommoder les restes. Comme on dit. D'ailleurs, je vais en profiter pour prendre des tableaux et me servir de ces tableaux pour mettre de la couleur, comme ça, juste pour que les pinceaux à la fin. Tu vois, je le fais pour les pinceaux. Mais là, je le fais comme ça, mais normalement, c'est à la fin qu'il faut que je le fasse. D'ailleurs, je le ferai plus tard.
plutôt que laver les pinceaux à vitesse, c'est de mettre la peinture sur des tableaux pour faire une espèce de peinture abstraite que je retravaille après quand j'ai de l'inspiration avec le noir ou avec d'autres couleurs, quoi. Je propose que qu'on s'arrête, hein, pour bouffer, parce que. Attends, je reviens, hein, quand même. Je voulais juste finir quand même le bleu. J'aurais préféré mettre toute la couleur, mais je peux essayer encore, mais on va voir. Il faut bien faire quelque chose dans la vie. Bon, moi, je fais de la peinture, hein. Personnage, mais le reste, on verra plus tard. Da-di-da-di-da-di-da-da.